525 new cases of STI diagnosed at the skin department, and that includes 260 males and 265 females. So can you imagine? So likely, every day, we may be diagnosing more than one STI in our hospital, in any one. This includes 170 syphilis, 74 cases of gonorrheal infection, 65 venereal warts, and 16 cases of herpes simplex. And out of that statistics, it's important to remember about sexual and reproductive. Aujourd'hui, nous parlons de la santé sexuelle et reproductive. C'est un sujet très, très important. D'ailleurs, il y a un sujet tabou. Il n'est pas trop facile de causer avec tout le monde, mais il est important qu'il nous cause les azodis. Parce que de plus en plus, nous trouvons, quand nous causons une maman qui a la grossesse précoce, qui nous trouve à l'âge de 14, 15 ans, puis est enceinte. Alors, quand nous gagnons une bonne information, quand nous comprenons notre sexualité, quand nous comprenons une sexualité saine, ben, nous pouvons éviter ce qualité problème-là. Et c'est important qu'aujourd'hui, les ONG, avec le ministère, puissent collaborer pour qu'ils nous capables de travailler justement sur la santé reproductive de tout un chacun. Et l'impact qu'il y a amené aussi dans la société, dans la famille, il y a un impact de bien-être. Dans la société, il y a un impact positif parce qu'il y a des gens pour sentir bien, des gens pour happy, des gens pour à l'aise, des gens pour libre, pour capable d'exprimer.